Le repos ne sera pas long pour le prince Harry. Une nouvelle période difficile s'engage pour lui dès mardi 9 mai, seulement 3 jours après le couronnement de son père Charles III. Durant ce grand événement, le prince Harry est apparu plus isolé que jamais, et a même dû essuyer quelques humiliations. La nouvelle bataille du prince Harry se joue désormais sur le terrain judiciaire. Le 9 mai démarre le procès intenté par le prince Harry et Meghan Markle contre le tabloïd The Mirror. Le couple accuse le journal d'avoir obtenu illégalement des informations sur leur vie privée. Nos confrères du Parisien rappellent que certains journaux anglais ont déjà été épinglés dans d'autres affaires pour avoir eu recours à différents stratagèmes discutables, embauche de détectives privés, piratage téléphonique, dispositifs d'écoute dans les voitures et les maisons, paiement de fonctionnaires de police en échange d'informations confidentielles, usurpation d'identité pour obtenir des précisions médicales, accès aux comptes bancaires. La bataille judiciaire entre le couple et le journal britannique devrait durer 7 semaines. Et il n'est que le premier procès du genre. Couronnement Charles III, la famille royale salue la foule depuis le balcon de Buckingham Palace, sans le prince Harry. Harry contre la presse, le prince muselé par son père. Dans quelques mois s'ouvrirent en effet 2 autres procès intentés par le prince Harry contre les 2 tabloïds les plus lus du Royaume-Uni, The Sun et The Daily Mail. Plusieurs audiences préliminaires ont déjà eu lieu dans le cadre de ces procès à venir, dont une durant laquelle le prince Harry a fait une apparition surprise. Il y avait notamment reproché à son père le Charles III de lui avoir demandé en 2019, alors qu'il n'était pas encore roi, de cesser ses poursuites judiciaires contre la presse, afin de ne pas mettre à mal sa volonté de réhabiliter Camilla dans les médias. Il s'agit de l'une des accusations sur lesquelles la justice sera bientôt chargée de statuer. Crédit Photo, Avalon Panoramique Best Image.